Bienvenue en cette fin du 26 juillet 2017. Attends, j'ai presque débarrassé toute la table. Vendredi, vient de l'assistante sociale. Bon, peut-être trois. Nous sommes donc le mercredi soir. Je fais un effort surhumain pour nettoyer un peu le bordel. Mais ça va, lui ça va pas. Là, j'ai jeté tous les papiers de vote qui restaient. Et souvent, notre laïcité, c'est de la merde. Je peux dire que c'est de la merde. Les laïcs, c'est comme le numérique, c'est électronique. Ça, pas du tout. Et là, les deux derniers papiers qui restent, c'est la chanson avec Stéphane. J'avais déjà plus droit au chômage. Comme ça. Et l'autre, c'était quand j'habitais au Mont-Boron. Putain, alors ça, c'est balèze. Attention des résidents qui possèdent un parasol rouge. C'était moi en bas. Cher Musicos. C'est comme ça. Hein. Il y a un beignet. Merci pour cette agréable musique. On avait tapé le bœuf en bas. Toute chose faite avec le cœur ne doit pas être jugée, ça c'est sûr. Désolé de ne pas vous avoir fait partager nos fous rires au sujet de ma nouvelle passion, la lecture de la Bible. Alors ça, ça déchire ses morts par terre. Voilà pourquoi nos rires devaient résonner dans votre cour. Si cela vous dérangeait, pour votre répétition, nous nous excusons, sachez que nous avons le droit de rire. Pas mal ça, même. Perso, je fais partie d'un groupe et c'est dommage pour vous de ne pas avoir confiance en votre créativité, votre talent, à tel point que le moindre rire vous fasse douter de vous. Dommage pour vous. Bonne continuation. La prochaine fois, nous rigolons en silence au risque de vous froisser. Signé des admiratrices. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux ? Bon, c'est où ? Moi j'étais déjà en fille, tu sais, je ragane un peu, je ramasse un peu. Mais il y a des trucs, ça va, ça, c'est gentil, quoi. Tu vois. Bon, c'est pas de ma faute pour les feux. J'ai dit, vous voulez que ça brûle encore plus, vous voulez encore plus de trucs. Vous voulez pas reconnaître qu'il y a un bon Dieu, hein. Vraiment, les laïcs comme le numérique, c'est électronique. Vous n'avez pas d'âme propre. Bon, par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Par la télé, les médias, les machins, les merdes, ils enlèvent l'esprit de famille. Et par les cachetons, ils enlèvent l'esprit individuel. En gros, c'est ça. C'est pas compliqué, hein. Alors, gouvernement, un gouverne vrai. Médicaments, des médicaments vrais. Enfin, on veut des trucs vrais, quoi, merde. Je sais pas, moi. Comme ça.